cette table ronde, il y a trois, je dirais, questions. C'est la question de savoir si l'Afrique est prête et qu'est-ce qu'il faut pour qu'elle le devienne. Deuxièmement, qu'est-ce que ça veut dire investir dans une industrie verte? Nous venons de voir avec Dr. Babatunde qu'il y a effectivement différents éléments et différentes étapes pour cette industrie verte. Et finalement, qu'est-ce que l'industrie verte par rapport à, l'industrie d'une façon générale et les programmes d'industrialisation qui sont préconisés aujourd'hui dans le cadre de la transformation du continent africain. Alors avant de rentrer dans ces considérations-là et avant de parler de l'industrie et de l'industrie verte sur le continent, je voudrais faire un petit retour en arrière pour rappeler qu'il y a une vingtaine d'années maintenant, l'Afrique s'est embarquée dans un vaste programme, un programme ambitieux, qui a été, pris en charge différemment et abordé différemment par les différents pays, qui était le programme d'économie numérique et la construction de la société de l'information sur la base de l'utilisation des technologies de l'information au niveau du continent. Et pour cela, je donne trois exemples qui sont des exemples de ce qui a été fait dans trois pays. D'abord le Rwanda, qui a utilisé les technologies de l'information pour le développement dans un nombre important et même impressionnant parfois de procédures administratives, d'interaction entre les différents départements du secteur public de ce pays et qui font qu'aujourd'hui, lorsque l'on regarde les classements du Rwanda dans des activités de type « doing business », lorsqu'on le regarde l'accès au pays à travers, par exemple, les demandes de visa qui se font en ligne, lorsqu'on regarde l'apport des technologies de l'information qui font que pour créer une entreprise aujourd'hui au Rwanda, il y a deux étapes et tout est défini de manière très très claire dans les sites web avec les responsabilités, qui fait quoi, etc., on se rend compte que réellement, beaucoup des progrès réalisés par ce pays ont été supportés par les technologies de l'information. Donc là, on voit comment un pays a tiré avantage de l'économie numérique pour gagner des points dans ses performances, dans son efficacité et dans sa compétitivité. Le deuxième exemple, c'est celui du Kenya. À partir du Kenya, l'utilisation de la téléphonie mobile et le programme projet maintenant qui est devenu réellement copié un petit peu partout, d'abord en Afrique de l'Est et même dans le reste du continent et même dans beaucoup de pays européens, comme la Roumanie par exemple, le programme PESA de transfert d'argent par mobile a été un apport considérable dans un pays, et beaucoup de nos pays ici lui ressemblent, où la bancarisation est très très limitée, où l'accès aux produits financiers à travers, je dirais, la finance traditionnelle, à travers le système bancaire, reste très limité. Et l'explosion de l'accès à la téléphonie mobile a fait que des transferts d'argent ont pu être menés de manière très très efficace et permis à beaucoup de personnes, notamment dans des régions reculées du Kenya, d'être dans ces mouvements d'argent et ces transferts. Le troisième exemple est celui du Nigeria, qui lui a opté pour l'industrie du cinéma, une industrie du cinéma numérique et une industrie du cinéma qui utilise énormément les réseaux sociaux, l'Internet, et qui aujourd'hui fait de ce pays le deuxième, dans ce qu'on appelle l'Hollywood, le deuxième pays en termes de production
de films et d'accès à des films et en termes de revenus et en termes de création d'emplois et de création de richesses et une réelle place, non pas seulement au niveau du continent, mais par la suite au niveau mondial. Donc je reviendrai à cela tout à l'heure. Alors, quelques constats. Le directeur de cours en a fait certains, donc je vais juste résumer très rapidement. Quelques constats en ce qui concerne la situation au niveau de nos économies, au niveau du continent. Depuis le tournant du siècle, on peut dire que les performances économiques ont été relativement bonnes. Preuve de cela, notamment la résilience suite à la série de crises 2008 où nos pays se sont relativement, et encore une fois, il faut dire relativement parce qu'on ne peut pas travailler sur des agrégats, chaque pays a réagi à sa façon, mais relativement une bonne réaction, une bonne tenue des économies suite aux crises. Cela peut, si on veut voir le verre à moitié plein, on va dire que nos économies étaient résilientes et ont fait preuve de bonne résilience. Si on veut voir le verre à moitié vide, on peut dire que le ancrage dans l'économie mondiale étant limité, les répercussions des crises, et notamment des crises financières sur les économies africaines, n'ont pas été aussi importantes. Mais cependant, malgré ces performances économiques qui sont toujours relativement bonnes, nos économies sont toujours tributaires de facteurs exogènes. Et on peut voir, il y a maintenant une reprise au niveau du Nigeria, mais ce qui s'est passé au Nigeria suite à la baisse drastique des cours des prix des hydrocarbures montre réellement que nous sommes toujours très fragiles et très dépendants de ce qui se passe en dehors de nos frontières. L'autre constat, c'est que cela fait 60 ans qu'on préconise une industrialisation, on préconise une diversification, mais malheureusement, on est encore dans une diversification qui est très lente des moteurs de la croissance et une valeur ajoutée encore limitée. On donne souvent l'exemple du Ghana, de la Tunisie et la Malaisie qui se sont embarqués tous les trois pendant les années 70 dans un programme d'utilisation de composantes électroniques, de travail dans le domaine de l'électronique. Hein, quand on voit ce qui se passe en Malaisie, dans les pays du sud-est asiatique et ce qu'en ont fait la Tunisie et le Ghana, on se rend compte que nous avons perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie parce que sans doute nous n'avions pas les bonnes recettes. Deuxièmement, et je pense que c'est un élément que le directeur de cours a appuyé qui me semble essentiel, c'est que le progrès dans le social est évident, mais qu'il reste encore très faible par rapport à ce qu'on veut faire. Parce que, en fait, et de plus en plus, hein, vous le voyez dans la littérature, dans les analyses qui sont faites, dans les discussions, mesurer les performances d'un pays seulement sur ses performances économiques ne suffit pas si ses performances économiques ne sont pas traduites en performances sociales. Ce qui s'est passé en Tunisie et en 2011 est une illustration parfaite du fait qu'un pays qui avait relativement de bons indicateurs économiques au niveau des agrégats n'était pas capable en termes d'équité, en termes de redistribution de faire participer toute la population aux fruits de cette croissance, aux fruits de ses performances économiques et de ce fait il reste une fragilité au niveau social, il reste des taux de pauvreté relativement élevés et des inégalités qui persistent. Des inégalités liées au sexe, des inégalités liées territoriales, des inégalités liées à l'âge, au niveau d'éducation, etc., etc. Et ça, c'est l'un des grands défis auxquels doit faire face notre continent, nos pays, d'autant que nous sommes dans des niveaux de non-emploi, de chômage, merci, qui reste très très élevé, surtout au niveau des jeunes. Et même lorsqu'il y a des activités génératrices de revenus, elles sont très souvent faites dans le secteur informel, avec donc une très difficile appréhension
de ce qu'elles sont réellement et une limitation en termes de ce qu'elles peuvent apporter en termes de revenus au niveau des pays. De la même façon, et cela a été dit, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, la croissance n'est pas inclusive et elle est très sensible aux risques environnementaux et nous avons un continent qui se désertifie, qui est très fragile en termes, la partie nord fait partie de celles qui sont les plus à risque, la forêt est en train de se dégarnir, le Sahara avance, l'eau est de plus en plus rare et donc ces risques environnementaux, aussi bien sur le court que le long terme, ont des impacts très importants au niveau des performances économiques, au niveau des réalités sociales. Nous avons beaucoup de migrations aujourd'hui qui sont des migrations intra-africaines liées à des périodes de sécheresse ou à des périodes au contraire, de d'inondations. Les exemples récents de la Côte d'Ivoire, par exemple, montrent réellement comment cette fragilité est grande. Et donc, l'idée de réexaminer l'industrialisation de l'Afrique d'une façon générale, hein, ça fait quelques années qu'on fait la promotion de l'industrialisation comme un élément moteur, comme un acteur principal de la transformation au niveau du continent, regarder des nouvelles approches de cette industrialisation qui a été vue et revue, et qui n'a pas donné les résultats escomptés, on pense qu'à travers l'industrialisation verte, il y a des portes, il y a des opportunités, il y a des pistes à exploiter qui permettraient de voir les questions de manière différente et qui permettraient d'arriver à réellement devenir plus efficace. Alors, aujourd'hui, nous bénéficions d'un momentum particulier qui est très favorable au niveau du continent. L'année 2015 a été une année charnière en termes de développement avec le lancement d'un certain nombre d'agendas qui sont particulièrement pertinents pour le continent. D'abord, évidemment, les objectifs de développement durable qui, à partir de 2015, donc, donnent la voie pour 15 années de développement jusqu'en 2030. Au niveau du système des Nations Unies, donc qui est un agenda mondial, mais dans lequel l'Afrique se retrouve. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux objectifs du millénaire pour les développements, les OMD, où l'Afrique n'a pas été performante, où l'Afrique n'était pas très bien organisée, il y a eu un sursaut au niveau des OMD, d'abord en termes d'évaluation. Et il y a eu dans beaucoup de pays, pour ne pas dire dans la plupart des pays, une évaluation très objective et très sereine de ce qui a été réalisé au niveau des OMD. Et sur cette base, les pays se sont réunis pour ensemble proposer une voie pour les 15 prochaines années. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons effectivement eu ce qu'on appelle la position africaine commune, qui a porté la voix du continent, une voix harmonisée, lors des débats au niveau international, et qui a fait que l'Afrique a été le seul continent qui est arrivé, à dehors au niveau donc, des discussions au niveau international, avec une position commune qui montrait ce que le continent souhaitait, et en même temps qui tirait parti des leçons qui ont été apprises sur l'évaluation des OMD. Ceci s'est fait en parallèle, bien évidemment, avec l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, qui, lui, donne le chapeau global au niveau africain et qui englobe une grande partie de ce que l'Afrique voulait faire dans sa position commune et dans sa participation aux ODD. En même temps, c'est tenu en terre africaine, à Addis Abeba, donc la troisième conférence sur le financement du développement, et là encore, le continent africain s'est beaucoup préparé à travers ses ambassadeurs à New York, à travers ses ambassadeurs à Addis Abeba, à travers des consultations au niveau des différents pays et sont arrivés sur cette conférence sur le financement du développement avec des propositions très très claires sur la manière dont eux-mêmes et doivent appréhender ces questions de financement du développement, voir comment les réorienter, comment les utiliser de manière plus efficace, mais en même temps comment les relations avec leurs partenaires doivent se faire.
Et ça, c'est très très important, parce que nous avons toujours eu une approche un petit peu top-down, où on nous dit, ben voilà, nous on veut financer, mais voilà ce qu'on veut financer. Là, il y a eu un relatif changement d'approche où les pays africains ont dit, nous voulons également être partie prenante dans la manière dont les programmes de financement sont conçus. Docteur Babatoune a parlé de la COP21 qui aussi marque un tournant, même si nous en sommes à maintenant deux décennies post-Rio, mais malgré tout, COP21 a marqué un tournant dans la volonté des pays de mettre en place non seulement un programme d'économie verte, mais des indicateurs pour mesurer les progrès qu'ils ont fait là-dedans. Et je dirais, dans COP21, ce qui est intéressant pour le continent africain, c'est qu'on est passé du traditionnel discours où on dit « Les Africains ne sont pas pollueurs, pourquoi devraient-ils payer le prix du verdissement de l'économie, de l'industrie, etc. » à « Comment faire de l'économie verte et donc de l'industrie verte des opportunités pour nos différents pays ?» Ensuite, donc, le commerce intra-africain avec, nous l'avons dit, maintenant la zone de libre-échange qui va permettre effectivement de, si on veut produire plus, il faut qu'on soit capable d'écouler plus, de commercer plus, et la zone de libre-échange est une opportunité et un bon momentum. Et il y a eu également depuis 2015 un certain nombre de réflexions avec des sommets sur les questions migratoires qui font que les questions de co-développement peuvent devenir aujourd'hui à l'ordre du jour et qu'on ne voit pas dans la migration seulement une fatalité mais également des opportunités. Et dans la migration pour le développement, beaucoup de travaux, et moi-même lorsque je dirigeais le bureau Afrique du Nord pour la CEA, je l'ai fait pour les 7 pays d'Afrique du Nord, comment utiliser les transferts des migrants dans des activités de production et de dépasser l'aspect seule consommation de ces transferts et comment réinjecter l'apport des migrants. Vous savez que dans un certain nombre de pays, les transferts des migrants, le volume de transferts de migrants est supérieur à l'aide au développement. Et donc ce sont des sommes qui sont très importantes. Ce sont des sommes qui, malgré tout, arrivent au niveau des pays de manière parcellaire, non organisée, et qui ne sont pas suffisamment, sur lesquelles les pays ne capitalisent pas suffisamment pour créer de la richesse et créer des opportunités d'emploi. Alors, au niveau de l'industrialisation verte, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je pense que la présentation du docteur Babatoune était suffisamment claire, mais... Premier défi, c'est mieux utiliser les ressources et optimiser les programmes de développement. Ceci est d'autant plus vrai lorsque les ressources sont limitées. On a parlé de l'eau, on a parlé de la forêt, on a parlé d'un certain nombre de ressources qui ne sont pas inépuisables. Deuxièmement, arriver à une diversification pour la transformation structurelle avec un contrôle et une appropriation de son programme de développement et de ses objectifs de développement. Trois, vous savez que lorsqu'on parle de développement durable, on dit qu'on investit aujourd'hui pour les générations à venir. Et c'est un petit peu ça, de mon point de vue, qui fait la différence entre une politique de pays développé et une politique de pays en développement, nos pays, c'est que très souvent, nos décideurs investissent sur le court terme. Ils sont tenus par un certain nombre de considérations qui font que très peu de nos pays osent ou veulent investir sur le long terme, puisqu'ils pensent que pour le long terme, ils ne seront plus là pour en tirer avantage. Donc, ça, c'est important de rentrer dans la manière d'appréhender l'industrialisation verte, cette dimension du long terme et la construction pour les générations à venir. Et c'est pour ça qu'à l'IDEP, nous avons conçu depuis l'année dernière, nous en sommes à la deuxième édition, nous avons des cours traditionnels sur la planification, les fondamentaux de la planification, mais nous avons maintenant lancé tout un programme sur les études prospectives et la planification à long terme, parce qu'un certain nombre
des actions et des mesures que doivent prendre nos gouvernements doivent s'inscrire sur la durée et le long terme, et cela est particulièrement vrai pour l'industrialisation verte. Donc, quand on parle d'industrialisation verte, il faut également revoir les modèles de croissance et de consommation qui sont là, puisque sur la plupart des pays, ils ont prouvé leurs limites et la créativité vient par le recours à des pistes nouvelles et de nouveaux types d'activités. Et utiliser le potentiel de l'industrialisation verte pour arriver à configurer et renforcer nos institutions qui aujourd'hui, en plus des capacités humaines, montrent des faiblesses importantes pour justement tenir compte de ces nouvelles approches du développement. Alors, pourquoi écologiser l'industrialisation en Afrique aujourd'hui? Cela a été dit, donc je vais juste lire très rapidement les mots-clés. Être compétitif en s'intégrant dans l'économie mondiale. Augmentation de la productivité et création d'emplois avec l'inclusion que Babatunde a rappelé de manière récurrente. Je pense que cette inclusion est fondamentale. Plus grand contrôle et appropriation des programmes de développement. Se dire que finalement, le retard industriel n'est pas une fatalité. On peut sauter des étapes, mais on ne pourra sauter des étapes que si on apprend de ses propres erreurs et si on apprend des expériences des autres pays. Et donc, arriver à, non pas avoir une approche linéaire, mais une approche par saut, qui pourrait permettre de gagner du temps et de l'énergie, pourrait être intéressant. Et donc, le momentum dont je viens de parler. Alors, Dr. Babatunde a aussi fait la comparaison entre une position de statu quo et une position d'un agenda vert, qui est une comparaison entre les différentes approches et les différentes attitudes. Quand on reste dans une attitude de statu quo, on travaille sur le court terme, mais on en est à juste rechercher une maximisation des recettes sur le court terme. On reste dans des situations d'exclusion sociale avec des impacts négatifs sur la santé du fait de problèmes environnementaux. Il y a aujourd'hui de la pollution et de la dégradation de l'environnement. Et c'est une pollution et une dégradation de l'environnement qui risque de s'alourdir si on n'y prend pas garde. Beaucoup de pays développés sont en train de verdir leur industrie. Et en verdissant leur industrie, ils recyclent leurs usines, par exemple. Et il ne faut pas que l'Afrique se retrouve la poubelle du monde. Nous avons un certain nombre de pays qui ont des problèmes parce qu'ils acceptent de récupérer des déchets radioactifs, par exemple. Parce que sur le court terme, c'est très bénéfique financièrement, mais sur le court terme, ils engagent et ils hypothèquent l'avenir de leurs enfants. Et il ne faudrait pas non plus que des industries polluantes qui deviennent des industries low cost se retrouvent implantées en Afrique parce que nous n'avons pas les moyens de nous permettre d'investir dans des économies vertes et des industries vertes. Donc, et des process qui sont beaucoup plus sophistiqués parmi ceux qui sont verts. Et finalement, de la même façon, les technologies, si on reste dans un statu quo, on reste à utiliser des technologies qui ne sont pas forcément appropriées. Alors que l'investissement dans l'industrie verte peut, à terme, arriver à aboutir à des économies de coûts. Vous savez, à un moment donné, on avait dit au secrétaire général des Nations Unies, M. Kofi Annan, donc qui est un enfant de notre continent, quelqu'un lui a dit, il parlait d'investir dans l'éducation. Et quelqu'un lui a dit, mais investir dans l'éducation est un investissement très lourd. Et c'est un investissement qui ne donne pas forcément des résultats sur le court terme. Et Kofi Annan a répondu à ça. Vous ne voulez pas investir dans... Vous trouvez que investir dans l'éducation est quelque chose de lourd, alors essayez l'ignorance. Et effectivement, l'alternative, c'est, si on ne veut pas investir dans l'éducation,
on reste dans des... Et c'est exactement la même chose pour l'industrialisation verte. On peut avoir des calculs sur le court terme pour dire c'est cher, c'est... mais les apports et les impacts du non-investissement dans ce domaine sur le long terme est préjudiciable. Et je pense que quand on a un minimum de conscience et de responsabilité par rapport à ses citoyens, il faut arriver à considérer cet élément-là. Donc, croissance inclusive à long terme, intégrité de l'écosystème, faible teneur en carbone avec un développement qui est résilient, tout cela a été déjà développé par Badoumdi, donc je ne vais pas revenir là-dessus, la conservation des ressources et, encore une fois, l'utilisation des meilleures technologies qui sont disponibles. Là, c'est un élément qui est fondamental. Alors, industrie verte. Je considère que l'Afrique se prépare, et voilà un certain nombre d'exemples très concrets sur ce qui se passe dans un certain nombre de pays, donc par exemple en Côte d'Ivoire, avec l'écologisation des chaînes de valeur qui est conduite aussi bien au niveau des entreprises internationales que locales, le programme bioéthanol du Malawi. Vous avez le programme énergie renouvelable en Afrique du Sud, qui est assez important. Et le programme économie bleue à l'île Maurice, qui permet d'utiliser le potentiel marin. Et on aura l'occasion également, si vous voulez, plus tard, de parler de l'économie bleue. Et les parcs industriels légers au niveau de pays comme l'Éthiopie. Alors, que montrent ces différents exemples? C'est que il y a un certain nombre de secteurs de production qui sont des opportunités pour cette industrialisation verte. Le premier, ce sont les industries extractives qui sont très fortement polluantes et qui... je vais l'éloigner de... qui sont fortement polluantes et qui sont aujourd'hui à considérer comme des candidats importants à cette industrie verte. L'agro-industrie, surtout si on veut faire du bio, vous savez que le bio est très demandé sur les marchés internationaux. Donc, regardez la transformation agricole et l'agro-industrie comme également un candidat potentiel. Et évidemment, un certain nombre de domaines manufacturiers qui sont à recréer, à réinventer. Au niveau des secteurs et des composantes qui vont apporter un élément catalyseur à cette industrie verte, le domaine de l'énergie, les énergies renouvelables et la préservation des énergies du potentiel fossile, qui lui n'est pas renouvelable. Le domaine de l'eau, et là il y a une gestion optimale de l'eau qui est... vous savez qu'on dit souvent que l'eau est, au cours de ce 21e siècle, sera la cause d'un certain nombre de guerres et de conflits, et il y en a déjà, malheureusement également sur notre continent, peut-être pas guerre, mais en tout cas de friction entre un certain nombre de pays, notamment par exemple sur la gestion du Nil et de tout le bassin du Nil. Et en termes de secteur catalyseur, le domaine du transport. Aujourd'hui, c'est un prérequis très important pour le développement d'une industrie d'une façon générale et d'une industrie verte de façon plus particulière. Et quand on voit l'état de nos parcs automobiles, c'est clair qu'il y a une transformation à faire ici pour lutter contre la pollution. Un domaine également très important, c'est la gestion des déchets. Et très récemment, je viens de voir que l'Éthiopie est en train d'investir pour recycler un certain nombre de déchets pour fournir de l'énergie à des villes au niveau du pays. Et donc, c'est une approche très intéressante qu'il faut regarder. Le Maroc également est en train d'investir sur les déchets. Et c'est très intéressant de voir ce domaine, non pas seulement à une grande dimension, parce que lorsqu'on parle d'industrie, très souvent on regarde les grosses usines, l'industrie lourde, etc. Mais avec un peu de créativité, on peut faire participer les communautés et les citoyens. Et dans la gestion des déchets au niveau du programme marocain, il y a une implication des collectivités locales, une responsabilisation des citoyens
à l'investissement vert. Et donc, il y a une collecte qui est faite, il y a une incitation à cette collecte et une transformation après de ces déchets pour arriver à créer de l'énergie. Et de la même façon, si on veut réellement garantir une industrialisation verte, il faut repenser cela de manière non pas seulement nationale, c'est bien que les pays se prononcent, mais également de manière sous-régionale pour arriver à créer des chaînes de valeur qui vont devenir des points d'entrée pour le découplage et des chaînes de valeur qui soient des chaînes de valeur régionales qui vont permettre réellement à nos pays de travailler ensemble. Et encore une fois, la zone de libre-échange est fondamentale là-dedans. Et donc, investir dans des nouveaux modèles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ne pas dire ça ne nous concerne pas, ne pas dire ça ne nous concerne pas aujourd'hui, mais réellement voir l'écologisation en termes d'avantages, synergie, en termes d'opportunités, plutôt qu'en termes de compromis et en termes d'investissement lourd. Et surtout en termes de création d'emplois pour notre jeunesse qui est désœuvrée, qui fait partie de la jeunesse la plus désœuvrée dans le monde. Donc, stratégie de survie à long terme des entreprises, c'est comme ça qu'il faut que l'entreprise réfléchisse, hein, en termes de, c'est à cela qu'il faut convaincre les investisseurs et les acteurs du secteur privé, parce que ça n'est pas seulement au niveau des États qu'il y a des mesures à prendre. Il faut que de part et d'autre, il y ait une prise de conscience mutuelle. Réduction des coûts grâce à la localisation des chaînes de valeur et l'efficacité et l'efficience des ressources, en particulier en raison de la pénurie et des intrants, un certain nombre de matières premières, l'eau, l'électricité, hein, on a tous dans nos pays des problèmes d'énergie récurrents. Respect de la législation environnementale, et ce respect de la législation environnementale peut être considéré à court terme comme un luxe, mais sur le long terme, si on veut être compétitif et accéder au marché étranger, ça peut devenir partie des conditionnalités qui sont imposées à nos pays. Et je donne toujours l'exemple, on a fait l'étude sur ces questions-là au niveau de l'Afrique du Nord. On a comparé la production, il y a deux pays en Afrique du Nord qui sont le Maroc et la Tunisie, qui sont leaders dans la production de gin. Quand on fait le délavage des gins, on utilise des produits chimiques très polluants qui ensuite sont déversés dans les nappes phréatiques, dans la mer et qui sont des agents de pollution extrême. Mais ça donne lieu à des gins qui sont très très compétitifs au niveau prix. On a regardé à l'époque la production de gin en Turquie. Et la Turquie avait pris le courageux... la courageuse décision de ne plus utiliser ces produits chimiques, mais de faire un délavage avec des produits qui soient moins polluants et moins agressifs sur l'environnement. Et les djinns turcs étaient devenus beaucoup plus chers que les djinns marocains et tunisiens. Et l'Europe, qui est l'acheteur numéro un de ces trois pays, en fait, on s'est rendu compte que malgré la différence de prix, les djinns turcs avaient de plus en plus, conquéraient de plus en plus de marchés au niveau de l'Europe et que les djinns marocains et tunisiens étaient en perte de vitesse. Et donc tout cela, je pense, est un élément qui est important à considérer quand on veut investir sur le long terme. Donc, répondre aux besoins des clients et participation aux marchés internationaux, amélioration des performances par rapport à d'autres entreprises dans un certain nombre de domaines. Je parlais tout à l'heure de l'agribusiness, le label bio est un élément aujourd'hui qui attire les marchés et qui appelle une certification bio. Hier, j'ai reçu une amie qui était toute contente de me dire « Je viens de recevoir des noix de cajou certifiées bio du Bénin. » Et donc, voilà, nos pays sont en train de s'y mettre et il va falloir qu'on continue comme cela. Et la RSE, la responsabilisation des entreprises
pour que ne pas, qu'elles ne regardent pas seulement, je dirais, leur coût, leur gain, mais qu'elles regardent l'implication des populations aux alentours d'une usine polluante, par exemple, qu'elles investissent. Vous prenez le cas de la Mauritanie, l'une des premières sources de revenus de la Mauritanie, c'est le fer. Il y a un chemin de fer qui est le chemin de fer le plus long au monde, le train le plus long au monde, de la zone d'extraction du fer au port de Noisy-le-Grand. Et ce qu'a fait la société, la SNIM, elle a créé tout le long du parcours des écoles, des centres sociaux, pour que les populations qui voient ce fer passer ne le considèrent pas comme un élément étranger, mais comme un élément qui participe à leur vie. Et donc, c'est important qu'au niveau des usines, qu'elles soient nationales ou privées, on puisse arriver à travailler sur ces terres. Alors, les premières leçons, des exemples et des opportunités offertes. Oui, l'Afrique se prépare. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais est-ce qu'elle est prête aujourd'hui? Et c'est ce qu'on va discuter tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que nos pays sont réellement convaincus, qu'ils se sont donné les moyens politiquement de travailler sur ces questions-là? Et je pense que c'est comme ça, autour de ces questions, que je vous invite à organiser le débat et l'interaction avec votre directeur de cours. Vous l'avez vu à travers ce qu'a dit Babatunde tout à l'heure, qu'à travers certains des exemples que j'ai passés très rapidement, il y a beaucoup d'actions qui se réclament d'une industrie verte. Mais est-ce que vraiment aujourd'hui on a de vrais plans d'industrialisation verte? Et c'est un peu ce qu'on a regardé avec le Sénégal l'année dernière pour essayer de capitaliser et de créer les synergies entre les différents départements pour qu'on passe d'une collection d'actions à réellement un plan de développement d'une composante verte dans le cadre des programmes d'industrialisation et des plans d'industrialisation. De la même façon, aujourd'hui, nos pays sont en train de relever un défi important qui est qu'ils ont leur propre plan de développement. Certains ont même des plans émergence sur le moyen terme. Sont venus s'ajouter à cela 2-4 qui sont les objectifs de développement durable et l'agenda 2063. Donc aujourd'hui, il faut qu'ils fassent converger ces trois plans et donc voir comment, en faisant converger ces trois plans, à ces trois niveaux de planification, je dirais, ce ne sont pas trois plans, ce sont trois niveaux de planification, comment arriver à introduire cette économie verte et cette industrialisation verte. Les investissements, malgré un certain nombre d'opportunités, les investissements restent aujourd'hui limités. Le secteur privé n'est pas suffisamment associé parce que justement, ils pensent que, surtout pour le secteur privé en activité, qui pense que transformer une entreprise en entreprise verte a un coût prohibitif et qui ne voit pas que investir dans l'économie verte est un élément fondamental. Aujourd'hui, il manque une sensibilisation et un plaidoyer au niveau de tous les acteurs. Et bien évidemment, nous sommes à l'IDEB, nous considérons qu'il y a un problème réel de capacité, aussi bien sur la prise de conscience que sur la manière de conduire ce genre de programme. Alors, je disais que je retournerai aux trois exemples que j'ai donnés tout à l'heure, et ces trois exemples nous ont montré un certain nombre de choses qui peuvent être utilisées dans le cadre de l'industrialisation verte. La première leçon, c'est qu'il faut une vision. La vision peut venir du plus haut leadership, c'était le cas du Rwanda. Le programme économie numérique du Rwanda est porté par le président Kagame. Il peut venir d'un leadership du secteur privé, ça a été le cas au Kenya et au Nigeria, où des personnes, des individus, des sociétés se sont lancées dans de nouvelles aventures. Donc il faut une vision et un leadership. Deuxièmement, il faut oser sortir des sentiers battus et de sa propre zone de confort. Je veux dire, quand le Nigeria a commencé à produire des films, tout le monde a souri. Aujourd'hui, personne ne sourit plus. Hein? Là, maintenant, on est tous scotchés devant nos téléviseurs à regarder les feuilletons et les films nigérians qui sont traduits dans plusieurs langues et qui sont devenus un standard pour nous tous.
Donc voilà, parce que des personnes ont osé au Kenya utiliser les mobiles pour les transferts d'argent, on est arrivé à avoir également une activité très performante. Et parce que le président Kagame a décidé d'informatiser les activités de son pays, à un moment où le Rwanda était en train de sortir d'une des plus graves crises historiques de son pays, j'ai organisé en 98, donc le siècle dernier, le premier atelier sur l'économie numérique au Rwanda. Et à ce moment-là, on avait un certain nombre de partenaires et on leur a dit, venez nous aider à accompagner le Rwanda. Et tous nos partenaires, je ne les citerai pas par générosité, ont souri en me disant, vous êtes bien naïfs, vous pensez que le Rwanda aujourd'hui a à investir dans les technologies de l'information alors qu'il doit reconstruire un pays, et bien non, le pari a porté. Donc c'est important. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un appui aux initiatives privées. Parce qu'il y a beaucoup de créativité. Quand on regarde le développement du secteur informatique dans un pays comme le Burkina, par exemple, les ingénieurs burkinabés en informatique sont très créatifs et très performants. Mais il faut derrière qu'ils soient soutenus pour arriver à créer des start-up, à devenir compétitifs, etc. Et donc il est important de penser et de repenser l'accès au financement. Que ce soit le microfinancement pour des petites unités qui vont sortir de l'informel, hein, ou des financements plus importants pour après pouvoir conquérir, être labellisé, avoir des certifications internationales et devenir compétitif au niveau international. La prise de risque est nécessaire, ça c'est clair, et le secteur financier doit être convaincu de cela. Aujourd'hui, le capital risque, le private equity, etc., ne s'aventurent pas vraiment dans des domaines qui sont nouveaux et qui ne sont pas clairement balisés. Finalement, le développement donc va nécessiter, je l'ai dit tout à l'heure, des sauts technologiques. Alors, quelques recommandations pour, et vous nous direz ce que vous en pensez, c'est qu'au niveau des politiques macroéconomiques, il faut arriver à mettre en place des incitations pour permettre de conduire le verdissement de l'industrie au niveau de nos pays. Donc, quel type d'incitation et est-ce qu'elle vous semble réaliste? Et tout à l'heure, je disais, l'Afrique se prépare, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'aujourd'hui, on est prêt à mettre en place ce type d'incitation? Il faut mobiliser les ressources publiques pour attirer des investissements transformateurs du secteur privé et l'inciter justement à considérer ces activités-là. Construire l'inclusion dans le programme d'industrialisation verte. Construire des plateformes d'apprentissage qui soient partagées pour l'écologisation systémique et pour permettre justement d'avoir le plaidoyer et arriver à réellement apprendre les uns des autres. Et là, entre vous, le partage d'informations est important. Contextualiser les choix. Ce qui marche ailleurs peut marcher chez nous à condition qu'on l'adapte à nos réalités et à nos besoins. Avoir des projets clés en main n'est pas forcément la meilleure solution. Développer des instruments financiers, être créatif dans l'utilisation d'instruments financiers pour mettre en place les ressources nécessaires. Jouer un rôle plus décisif dans les négociations mondiales pour que la réalité de notre continent soit aussi prise en compte au niveau des négociations commerciales et au niveau du changement climatique et faire en sorte qu'elle soit favorable à une industrialisation verte. Promouvoir la coopération régionale sous forme de mise en place ou de renforcement de chaînes de valeur régionales dans l'industrie verte. Et finalement, encore une fois, je termine par ce qui nous tient à cœur ici à l'IDEF, développer les capacités, toutes les capacités. Les capacités du secteur public, les capacités du secteur privé et mettre en place des institutions qui puissent porter le programme d'industrialisation verte du continent africain. Je vous remercie de votre attention.